Bonjour Guy. Bonjour Florian. Nous présentons aujourd'hui une belle sculpture, un très beau bronze d'Arthur du Passage qui passera dans la vente du 3 novembre prochain à l'hôtel des ventes de Saumur et à l'hôtel des ventes de Loye. Monsieur de la Bretagne, donc, qui nous en fait l'expertise, va nous en dire un petit peu plus sur cette belle œuvre assez exceptionnelle à plus d'un titre. Alors, exceptionnel à cause de la qualité du bronze, qualité de la ciselure, qualité de la patine. Alors, on le voit dans les détails, sur en particulier la culotte du palefrenier, sur les harnachements, les sanglons, les contre-sanglons, le détail sur la selle, le poil sur la croupe de la jument, la ferrure, et même sur le sol, où on a affaire à une scène d'écurie, puisque là on voit la paille de la stalle, la paille tressée sur les rebords et les pavés de l'écurie. Donc très belle sculpture, mais vu la qualité de ce bronze, je pense qu'il s'agit de l'œuvre originale. Plusieurs éléments, et je l'ai déjà évoqué, me le font penser. La qualité de la ciselure et de la patine. Regardez la culotte en velours côtelé du lade. Et puis un autre élément m'apprend qu'il est daté 1872, c'est-à-dire l'année de la création. Mais ce qui pourrait sembler être une preuve n'en est pas vraiment une, parce qu'il est souvent de tradition chez les sculpteurs de noter non pas l'année de la fonte du bronze, mais l'année de la création du modèle. Il fallait donc, pour que je sois sûr qu'il s'agit d'une œuvre originale, avoir une autre preuve. Alors la preuve m'est venue en regardant la signature. Elle est signée A du Passage, pour Arthur du Passage. Or, toutes les autres modèles connus de ce bronze, et qui sont ultérieurs, sont signés non pas A du Passage, mais Comte du Passage. On le sait, Arthur du Passage était aristocrate, mais il a eu le titre de comte qu'à la mort de son père. Or, son père est mort en 1872. Donc, en clair, tout ce qui était postérieur à 1872 est noté Comte du Passage. Et quand on tombe sur une œuvre A du Passage, c'est antérieur ou de l'année 1872. Donc, tout me laisse à penser qu'il s'agit ici de l'œuvre originale du bronze, le lade recélant la jument.